Ok, salut les riders, c'est Emric, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Je fais cette intro après avoir été roulé, je viens juste de rentrer, j'ai encore oublié de le faire sur le terrain, c'est honteux. Donc, on a été à Fontaine-et-Croisilly, d'ailleurs, c'est là-bas que ça se passe. Si vous n'avez pas envie d'aller rouler à Lune aussitôt dans l'année, Fontaine-et-Croisilly, il est décompacté, RC et arrosé, bon l'été, à chaque week-end quasiment. Et là, on a même eu le droit à du pompage de flaque, donc on n'a eu aucune boue, rien du tout, que dalle, nada, walou. On a roulé sur un terrain, il était parfait, RC, arrosé, enfin pas arrosé, RC décompacté, un billard. Donc c'était super bien, on a eu de la pâte à modeler. En plus, le terrain, il se trouve un peu, donc ça donne un peu une condition course, donc ça c'est super. Donc du coup, on s'est amusé. Il y a eu quelques petites chutes, j'ai cassé mon levier ici, bon vous ne le verrez pas parce que c'est pas dans le champ de la caméra, mais j'ai cassé un levier. Donc voilà, j'ai rien de plus à dire, on se retrouve là-bas directement. Allez! Bref, si t'as pas vu la dernière vidéo sur cette magnifique paire de lunettes de chez Scott, la dernière Fury, je t'invite à aller la voir après celle-ci, bien sûr. Yeah, Scott, baby! Regardez, cette terre est magnifique. C'est ici que ça se passe. Fontaine-et-Croisilly, tous les week-ends, il est RC. Décompacté. Juste magnifique le terrain. Ah, pour le daron. À bloc. C'est chaud quand même quoi.
avec ma belle chérie. Ah, toi, ça c'est des roues la veille. T'as des fuseux aussi, toi. Je me suis autorisé. Je t'avais dit non. Ah, moi je t'avais dit oui. Ouais, mais j'ai même plus une seule furie à présenter là. Ah, mais fallait que je te la ramène en plus. Ah, ouais. C'est pour ça que je comprends pas. Tout à l'heure, j'ai pas fait attention. Pour retourner rouler, je vois quoi, il y a deux mecs qui passent sur une moto sur un 125YZ. C'est toi, ils étaient en train de faire un bruit en même temps sur la moto. Je suis mort, les gars. Ils ont ramené le cross bitume sur un terrain de cross, c'est magnifique. Fort ? Ah, pas fort, mais pas bien. Tout à fait. Bon, les cailloux. Ah, c'est. Ah ouais. Là, si je suis content parce que je commence à prendre l'habitude de virer avec la moto. Tu vois, là tout à l'heure j'arrêtais pas, c'était de virer en deux là-bas au bout du départ. Ouais. Et du coup après tu tapes le camion, tu sais, bah t'es à fond après jusqu'au camion, tu vois. Et du coup quand t'es à fond, t'as du mal à passer la vitesse. Et du coup là maintenant j'arrive à virer en trois là-bas au bout. D'accord. Et il y a des virages comme ça, j'arrive à laisser un peu mieux aller et j'arrive à prendre un trois, c'est super bien. Et c'est même mieux parce que du coup, tu sais, je vire, c'est un peu plus fluide et quand je tape le talus, c'est moins sec. C'est pas froid, tu vois. Donc, je suis content. Éviter de se mettre des chutes dans les freinages pour éviter de casser les leviers comme ça. Bah allez, on repart rouler une dernière fois. Même si j'ai le levier d'embrayage cassé, mais je vous ai mis un peu sur mon torse là, j'ai mis la GoPro à l'envers pour que vous voyez un peu le terrain et la façon de voir les choses différemment. En espérant que ça vous plaise. Thank you.
prochaine vidéo. Allez, bye bye.